Jean-Louis Debré, ancien patron du Conseil constitutionnel français, nous livre des vérités troublantes, des révélations écrasantes sur les combines du dictateur Denis Sassou Nguesso pour s'éterniser au pouvoir. Dans son livre « Ce que je ne pouvais dire », un ensemble d'écrits qui connaît un succès relatif en librairie, nous donne des contours de la mafia politicienne instaurée par le régime tyrannique congolais. À la page 388, le dinosaure de la politique française raconte sa rencontre avec Hugues Golondele, venu le solliciter pour modifier la constitution de la République du Congo. Le gendre du dictateur Denis Sassou Nguesso le combla de flatterie avant de lui demander son expertise en tant que constitutionnaliste afin de permettre l'empereur d'Oyo de capturer l'appareil de l'État congolais. Tout en bas de la page, Jean-Louis Debré n'a pas hésité de qualifier Denis Sassou Nguesso d'idiot et de médiocre, comme nous l'avons déjà évoqué dans plusieurs de nos vidéos. Un livre que vous pourrez retrouver bien entendu dans toutes les librairies de France, pour ceux qui vivent en France comme moi. Par ailleurs, il est aussi possible de le commander via Amazon. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.